Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Les chemins de la connaissance, cette semaine, les mondes de Bouddha. Aujourd'hui, les routes du bouddhisme avec Philippe Cornu, chargé de cours à l'INALCO et auteur de La Terre du Bouddha aux éditions du Seuil. Dans chaque grain de poussière, je vois d'innombrables mondes du Bouddha, nous dit un sutra qui résume l'expansion de cette religion. De l'Inde, berceau du bouddhisme au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'Asie du Sud-Est, puis par la route de la soie jusqu'en Chine et au Japon, dans le monde himalayen également, sa diffusion et son implantation dans des cultures souvent très différentes l'ont amené à se modifier dans ses formes et en autant de courants spirituels. C'est donc, Philippe Cornu, cette prodigieuse faculté d'adaptation que nous verrons à l'œuvre à travers les métamorphoses, les vies diverses et les mondes de Bouddha. Tout commence donc à la mort du maître en 478 avant Jésus-Christ, à l'âge de 80 ans. Oui, tout à fait. Donc, vers cette époque-là, parce qu'on ne sait pas exactement en fait les dates exactes de la vie du Bouddha, il y a plusieurs avis sur la question. Le Bouddha, quand même, disons, si on lui attribue vraiment 80 ans de vie, au moins une quarantaine d'années d'enseignement derrière lui, ce qui est quand même assez rare pour un fondateur de religion. Et donc on a beaucoup de développement en fait de la communauté déjà de son vivant, qui était une communauté qui passait de ville en ville, qui était en fait itinérante, une vie itinérante, sauf pendant les périodes des pluies. Et donc en fait à la mort du Bouddha, cette communauté, elle s'est encore plus étendue dans différentes régions de l'Inde. On est au nord de l'Inde. Hein, oui, on est dans la région du centre de l'Inde, le Magadha, hein, qui était vraiment la grande région centrale de la culture indienne à l'époque. Et puis, petit à petit, évidemment, des communautés s'en éloignent aussi. Et on va voir, en fait, des premiers conciles qui vont servir un petit peu à spécifier déjà d'abord la discipline monastique, qui est quand même un fondement. Et puis ensuite, on voit surtout des idées d'interprétation sur l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha n'a rien écrit. Il n'a rien écrit. Transmission orale. Tout à fait. Et la transmission orale va durer, en fait, jusque vers l'an zéro. Puisque, en fait, le canon Pali, le plus ancien des canons qui nous reste, a été fixé par écrit au Sri Lanka vers moins 50 avant Jésus-Christ, à peu près. Donc, vous voyez, c'est jusque-là, on peut dire que la tradition est orale. C'est les moines apprennent et passent aux générations suivantes l'enseignement qu'ils ont appris par cœur. Ceylan est une des premières terres gagnées par cette expansion du bouddhisme. Oui, ça s'est fait en fait tout simplement sous le règne de l'empereur Ashoka, ce grand empereur qui s'est converti au bouddhisme et qui a envoyé des missions. À l'époque, donc, c'est une école qu'on appelle l'école des anciens, les staviras. Et c'est donc une émanation de ces staviras qui va s'installer en fait au Sri Lanka. Et c'est en fait le roi, le fils du roi lui-même, le fils de l'empereur en fait, qui va diffuser au Sri Lanka. Et donc quelques siècles plus tard, le canon va être fixé, le canon Pali, qui va servir de base à l'école qui va s'appeler ensuite Theravada, qui va donc... une école très importante. Une école très importante puisque en fait elle est connue donc au Sri Lanka, mais également... dans tout le sud-est asiatique, avec on sait combien la Birmanie et le Sri Lanka ont entretenu des relations très très fréquentes à partir du XIe siècle. Et donc nous avons aussi la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, le Laos, qui sont des pays d'obédience theravadaine, avec des variations régionales, bien entendu. Revenons très très rapidement, Philippe Cornu, sur cette communauté des origines. Nous reviendrons demain avec Véronique Crombet donc sur la vie de Bouddha et notamment sur ses premiers enseignements. Mais il faut peut-être quand même, puisqu'on parle du départ de cette expansion, évoquer deux personnages, deux disciples importants, les moines Ananda et Shariputra, qu'on peut comparer, si on veut, comme ça, faire des analogies, avec l'un Saint Jean et l'autre Saint Paul. Oui, si on veut comparer avec le christianisme. Ananda est important dans le sens où c'était le cousin du Bouddha, mais surtout son fidèle serviteur.
Donc il était tout le temps avec le Bouddha, il l'accompagnait partout. Un tempérament mystique aussi. Oui, mais surtout c'était quelqu'un qui avait d'abord une mémoire d'éléphant. C'est lui, tous les sutras commencent par des paroles qui sont « Ainsi ai-je entendu une fois le Bouddha résidait à tel endroit ». Et ça, c'est censé être à chaque fois le récit d'Ananda. Donc si vous voulez, Ananda, c'est la mémoire vivante en quelque sorte du Bouddha. C'est son enregistreur. Et quant à Shariputra, c'est un sage, c'était un homme d'un certain âge, dans la Sangha, et dans la Sangha, la communauté monastique, et il était considéré pour sa sagesse. C'était un des disciples les plus sages. Mais beaucoup de disciples du Bouddha ont eu une importance considérable, autre que ces deux-là. Alors, à quel moment s'est formé ce qu'on appelle le corpus, le dharma, c'est-à-dire le corpus, disons, des enseignements théologiques? Parce que vous évoquiez donc la vie monastique et le Vinaya, donc. Oui, le Vinaya, ça fait partie, dans un canon, vous avez trois parties, normalement. Vous avez le Vinaya, c'est la discipline monastique. Voilà. Le dharma, ben, en fait, c'est surtout les sutras qui l'enseignent. Les sutras, ce sont les discours du Bouddha. Donc, à chaque fois que le Bouddha a enseigné sur un sujet ou sur un autre. Et vous avez une troisième corbeille qu'on appelle l'abhidharma, ce qui veut dire, en fait, le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du point de vue abhi supérieur. Métaphysique, abhi, ça veut dire, on pourrait dire. Oui, du point de vue supérieur de la connaissance de la sagesse, si vous voulez. Donc, cette connaissance est plus philosophique. Et donc, l'ensemble du dharma, bien sûr, c'est ces trois ensembles, mais plus spécifiquement, peut-être, les sutras et les abhidharma au départ. Et c'est l'enseignement, c'est l'instruction du Bouddha pour mener, en fait, ses disciples vers le même éveil que lui-même a expérimenté. Ce qui est important, c'est de voir que c'est toujours un enseignement qui va vers l'aspect pragmatique. En même temps, c'est important de le rappeler parce que c'est en quelque sorte le viatique de cette expansion. C'est grâce à ces textes, à ce corpus, que le bouddhisme aussi a pu s'implanter dans des civilisations si différentes. Ah, exactement, parce que par exemple, là, on a évoqué tout à l'heure le canon Pali, mais on va pouvoir évoquer aussi la seconde partie de cette grande diffusion, c'est-à-dire quand le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, va se développer en Inde à partir du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, sur des... Si vous voulez, c'est une sorte de changement de paradigme. On change un petit peu la valorisation. On valorise, par exemple, le bodhisattva, c'est-à-dire un être qui s'oriente vers une œuvre de compassion, plus que vers l'éveil personnel, en quelque sorte. Et à partir de ce moment-là, et les laïcs sont invités à devenir des bodhisattvas autant que les moines. Ouais. Et cette nouvelle forme de bouddhisme, en quelque sorte, va vraiment beaucoup diffuser par la route de la soie, assez rapidement, vers la Chine. C'est ça. Et là, en Chine, on voit vraiment à quel point la traduction des textes est capitale. Parce que les Chinois vont devoir complètement adapter une pensée qui est indo-européenne au monde chinois. Et ça va demander beaucoup de temps. On va en reparler, évidemment, Philippe Cornu, mais auparavant, pour illustrer justement le caractère édifiant de la vie de Bouddha, voici donc un extrait des nouvelles études d'histoire religieuse d'Ernest Renan, un texte évidemment daté, mais qui nous parle justement de la vie de Bouddha. La vie de Bouddha est la pièce du bouddhisme qui frappe tout d'abord et qui fut connue la première. Il fit moult grande abstinence, dit Marco Polo, ainsi comme s'il eût été chrétien, car s'il l'eût été, il fut un grand saint avec notre Seigneur Jésus-Christ à la bonne vie et honnêteté qu'il mena. L'Église chrétienne avait été longtemps auparavant du même avis. Le récit du Lalita Vistara parut si beau aux chrétiens d'Orient qu'ils en firent la vie des saints Barlaam et Josaphat, qui, depuis des siècles, élus dans l'Église avec édification. Quand l'évangile bouddhique fut traduit pour la première fois en français par M. Foucault, tous les gens de goût le lurent avec un plaisir extrême et crurent avoir affaire à une légende fabuleuse, bien plus qu'à un mythe dénué de réalité. Ce texte, Philippe Cornu, nous parle également de la réception du bouddhisme en Europe, mais de l'importance également de cette vie en partie légendaire de Bouddha. Oui,
Évidemment, la vie du Bouddha, on la reconstitue, comme l'a si bien dit André Barrault, à partir des textes anciens, surtout les textes même de Vinaya, puisque là, on a en fait des conseils. À chaque fois qu'un moine faisait une bêtise, en quelque sorte, le Bouddha faisait un enseignement et corrigeait, en quelque sorte, la façon de se comporter de ce moine. Et on a donc des anecdotes de sa vie qui sont assez vivantes dans les Vinaya. Et dans quelques sutras, il y a même quelques récits autobiographiques. Mais sinon, toutes les biographies sont assez sont plus tardives et elles ont bien sûr été enrichies de légendes. En même temps, ces légendes, c'est pas vraiment un problème pour, par exemple, l'adepte du bouddhisme, puisque ça a valeur d'exemple, ça a valeur de symbole et d'exemple pour son propre chemin. Quand on voit, par exemple, que le Bouddha a vécu une vie finalement assez dorée, assez protégée pendant toute son enfance et son adolescence, parce que son roi, le père du Bouddha, qui était un roi, voulait absolument que son fils devienne un roi et non pas un renonçant. Donc il essayait de l'écarter de toute idée de souffrance. Eh bien ça, c'est un petit peu notre façon à nous, des fois, de fuir la souffrance, de pas vouloir la rencontrer en face. Et on peut retrouver comme ça, dans tous ces événements un peu symboliques, un peu légendaires, des manières de regarder son propre chemin spirituel. Alors, on le disait, donc, le bouddhisme va connaître une expansion assez rapide vers les pays du sud-est asiatique. On a évoqué Ceylan, la Birmanie, mais également, vous évoquez la route de la soie, dès lors qu'elle est ouverte, donc une expansion là qui part vers le nord, mais en s'orientant au départ vers l'ouest. Oui, parce qu'il y a eu des grands foyers à l'ouest de l'Inde, le Gandhara, l'actuel Pakistan et Afghanistan, mais le Cachemire aussi, oui. Qui étaient des régions extrêmement importantes pour le bouddhisme. Il y avait des écoles très florissantes à ces endroits-là, beaucoup de monastères, et c'était un départ tout naturel, en fait, aussi des caravanes vers la Chine. Par conséquent, les voies commerciales, c'est bien connu, sont des voies aussi de connaissance. C'est-à-dire que, bien sûr, les moines ont suivi les caravanes et il y a eu énormément d'échanges sur la voie de la route de la soie, y compris avec le monde grec, y compris avec les mondes du Moyen-Orient. Mais surtout, bien sûr, les moines ont amené les premiers textes en Chine. Et ce sont souvent des autochtones de la route de la soie qui connaissaient plusieurs langues, qui ont été les traducteurs en Chine, qui ont été les premiers traducteurs. C'était pas forcément des Chinois qui traduisaient en chinois. C'était des gens qui vivaient dans ces oasis. C'est ça. Alors, les rapports avec l'Occident grec à l'époque, ils nous sont d'une certaine manière, évoqués dans le texte de Renan que nous venons d'entendre, avec évidemment l'influence d'un certain nombre de récits édifiants sur les chrétiens d'Orient. Oui. Là, c'est des récits qui se sont propagés au Moyen-Âge, en fait. Oui. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, oui. Mais en même temps, il y a eu un contact avec le monde grec important, même dans les tout premiers siècles après Jésus-Christ, avec les royaumes indo-grecs, qui se trouvaient donc précisément Afghanistan, Pakistan. Et là, on a eu même des récits, on a par exemple un récit, le Milindapanya, qui est un récit entre un dialogue entre un maître bouddhiste et un roi ménandre de la région, et qui pose des questions à ce maître bouddhiste. Et donc on a tout un dialogue entre ces deux personnages, par exemple. Non, mais c'est pour imaginer le destin qu'aurait pu avoir le bouddhisme s'il avait poursuivi dans cette voie. Oui. Alors, on évoquait le corpus doctrinal donc qui est nécessaire pour exporter une religion sur de si longues distances, mais il y a aussi l'image de Bouddha. Et là, nous ne sommes pas en terre iconoclaste. Alors, la représentation du Bouddha, elle n'a pratiquement pas varié. C'est la position du lotus. Oui, mais elle commence en fait encore avec les Grecs probablement. Enfin, c'est une hypothèse en tout cas, puisque en fait les premières représentations du Bouddha sous cette forme humaine et en méditation, on les trouve au Gandhara, dans le royaume indo-grec du Gandhara, et puis aussi dans le Mathura. Et on pense que les influences grecques ont été fondamentales pour la représentation, parce qu'autrefois, la représentation du Bouddha était aniconique, c'est-à-dire qu'en fait on représentait un trône vide ou des empreintes de pieds. Mais on ne le représentait pas antérieurement. Donc quand même, les Grecs ont encore, là, une fois, joué un rôle dans le bouddhisme. Et la symbolique du lotus, donc, qui est constamment présente dans les représentations du Bouddha.
Ah, le lotus, c'est une très belle plante. Vous savez que même on a découvert à l'heure actuelle que le lotus était vraiment une plante très particulière sur laquelle rien n'adhérait. Les tissus du lotus sont faits de cette manière-là. Et donc, en fait, les bouddhistes... Ni l'eau, ni la poussière. Oui, exactement, exactement. Aucune poussière n'adhère. On ne peut pas tacher un lotus. Et donc, précisément, ce symbole, c'est le symbole aussi de notre éveil possible, qui est toujours, en fait, quelque part, même si nous sommes dans la boue de la confusion, il y a toujours un éveil possible. Et donc, le lotus, c'est la possibilité de l'épanouissement de l'être humain jusqu'à son plein potentiel qui est l'éveil. C'est donc pour cette raison qu'on représente le Bouddha dans la position du lotus. Oui, et surtout sur un lotus qui représente vraiment cette espèce de capacité de l'être, en fait, à s'éveiller à toutes ses qualités. S'il fait le chemin, évidemment, s'il fait l'effort de faire un chemin qui le mène à cet épanouissement. Écoutons, si vous le voulez bien, Philippe Cornu, les paroles de Bouddha lui-même, qui nous parle ici d'un thème absolument central dans la religion bouddhique, le nirvana. Qu'est-ce que le nirvana ? Une bonne partie de l'attention qu'a suscité le bouddhisme en Occident tient à la beauté de ce mot. Il paraît impossible que ce mot de nirvana ne contienne pas quelque chose de merveilleux en soi. Qu'est-ce que le nirvana, littéralement parlant ? C'est l'extinction, la lampe sur laquelle on souffle pour l'éteindre. On a présumé que lorsqu'un être atteignait le nirvana, il s'éteignait. Mais quand il mourait, il y avait grand nirvana, puis alors l'extinction. Contrairement à cela, un orientaliste autrichien fait remarquer que le Bouddha s'est servi de la physique de son époque. Et l'idée d'extinction n'était pas alors ce qu'elle est aujourd'hui, car on pensait qu'une flamme, en s'éteignant, ne disparaissait pas. On pensait que la flamme continuait à vivre, qu'elle subsistait sous une autre forme, et dire nirvana ne signifiait pas forcément l'extinction. Cela peut vouloir dire que nous continuons à vivre d'une autre façon, d'une façon pour nous inconcevable. Les métaphores des mystiques sont en général des métaphores chargées de promesses, mais celles des bouddhistes ne sont pas de cette sorte. Quand on parle du nirvana, on ne parle pas du vin du nirvana, de la rose du nirvana ou du baiser du nirvana. On le compare plutôt à une île de terre ferme au milieu des tempêtes. On le compare à une tour élevée. Il peut aussi être comparé à un jardin. C'est quelque chose qui existe de par soi, en dehors de nous autres. Philippe Cornu, il ne s'agit évidemment pas des paroles de Bouddha, mais d'un texte extrait des conférences de Jorge Luis Borges sur le bouddhisme. En quelque sorte, une propédeutique pour nous, occidentaux, à cette conception très mystérieuse de ce qu'est le nirvana. Mais nous entendrons dans un instant les paroles de Bouddha. D'accord. Oui, en plus, je pense que notre auteur, justement, rectifie beaucoup par ses paroles oui. Quelque chose qui, malheureusement, souvent revient dans le discours occidental sur le bouddhisme, même maintenant, bien qu'on essaye pourtant de l'expliquer. Ce n'est pas le nirvana, n'est pas une extinction dans le sens d'une néantisation, d'une annihilation. C'est la fin de la souffrance, c'est la fin des tourments de l'existence telle que nous la concevons et telle que nous la vivons à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose comme une espèce d'anéantissement de la personne. Voilà, ou de mort. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, en fait, le nirvana ne va pas être défini véritablement comme on va le voir dans le texte qui va suivre. Dans le bouddhisme ancien, on ne le définit pas, on dit plutôt c'est une absence de limite, c'est une absence de... on en fait une sorte de description apophatique. Mm-hmm. Alors que dans le Mahayana et par la suite dans le Vajrayana, on va plus le positiver. C'est-à-dire que par exemple, le nirvana va devenir actif. Un bodhisattva qui va devenir un bouddha pleinement éveillé
va continuer à pouvoir agir pour les êtres, même en nirvana. Et puis c'est le fruit d'un processus, c'est d'une action. Bien sûr. Tout à fait façon, c'est... positive et non pas négative. Voilà. Alors, c'est un... Notamment la méditation. Tout à fait. Tout à fait. La méditation, c'est un moyen de regarder comment nous fonctionnons et comment nous sommes conditionnés et petit à petit d'arriver à déconditionner notre esprit. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui permet justement de désamorcer les passions qui envahissent notre esprit à chaque instant, tous les concepts qu'on peut se faire sur la réalité, et arriver véritablement à une liberté complète en fait de l'esprit. Et en fait, quand cette liberté de l'esprit est acquise, grâce à la sagesse et à la dimension ouverte de l'esprit qu'on a pu obtenir par la méditation, eh bien là, effectivement, on peut parler d'éveil, et cet éveil mène effectivement à cet état qu'on appelle nirvana. Philippe Cornu, si vous le voulez bien, reprenons les routes du bouddhisme où nous les avions laissées. Nous étions en Chine. Oui. Donc, gros travail de traduction du corpus théorique. Oui. Traduction et aussi les pièges de deux cultures religieuses antérieures qui sont le confucianisme et le taoïsme. Donc, au début, les Chinois traduisent avec des termes taoïstes. Oui. Et ça pose problème. Il faut dire quand même, ça pose problème, mais il y a quand même une étonnante proximité entre de l'extérieur, me semble-t-il, troublante proximité, entre bouddhisme et taoïsme. Bien sûr, mais en même temps pleine de pièges. Et les taoïstes vont tout de suite reprocher aux bouddhistes de reprendre leur vocabulaire et de dire en fait que c'est une imposture. Parce que C'en est quand même la meilleure preuve de cette proximité, c'est que les taoïstes se sont reconnus. Oui, mais du coup, les bouddhistes ont changé leur vocabulaire et ont forgé leur propre vocabulaire pour parler du bouddhisme. Et c'est pour ça que ça a demandé du temps. Parfois, on a 3, 4, 5 états différents d'un même sutra, de différentes traductions, avant qu'il y ait une traduction qui convienne véritablement à l'esprit chinois et au bouddhisme proprement dit. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un travail en Chine. Et puis, ce travail, il va se continuer aussi par la suite vers la Corée. Oui. La Corée va être très importante. Des Coréens vont être très importants en Chine pour passer la transmission en Corée et de la Corée. Ça va passer au Japon. Et en Chine aussi, on va passer au Vietnam. Oui. Donc, vous voyez, juste à propos de la Corée, le bouddhisme se trouve en Corée confronté au chamanisme. Oui. Mais il va pas être forcément mal accueilli de ce côté-là, si vous voulez. Il y a plus de résistance du confucianisme en Chine et le taoïsme, si vous voulez, va un peu s'allier contre le confucianisme parfois avec le bouddhisme. Ça va arriver, mais surtout, je dirais que aussi bien en Corée avec le chamanisme, puis au Japon avec le Shinto, en fait, le bouddhisme va s'accommoder complètement de ses formes spirituelles antérieures. Le mariage va même être complètement consommé au Japon. Au Japon. Le Shinto et le bouddhisme vont presque immédiatement s'allier et ne vont se désunir finalement que pendant l'ère Meiji, donc très récemment, à cause d'une réaction impériale qui a d'ailleurs abouti à une sorte de persécution du bouddhisme au tout début de ce siècle. Du XXe siècle, j'entends. Philippe Cornu, on évoquait les grands courants, justement, doctrinaux et spirituels que le bouddhisme a suscité au cours de cette grande expansion. En Chine, donc, il donne un visage, une figure très particulière au bouddhisme qu'on appelle le Chan. Oui, mais pas seulement le Chan, beaucoup d'écoles. Beaucoup d'autres, bien sûr. À chaque fois qu'un grand sutra est traduit, il impressionne beaucoup les esprits et des écoles se forment autour, finalement, de ce sutra. Bon, le Chan va représenter une école qui va essayer de réagir contre la scolastique ambiante, le fait que l'on se fixe peut-être trop sur les textes et va insister beaucoup plus peut-être sur la pratique. Oui. En même temps, il ne faut pas oublier que le Chan a donné beaucoup d'éclosions de mouvements littéraires et intellectuels. La grande période du Chan sous les Tang et sous les Song a été vraiment extrêmement florissante du point de vue littéraire. Mais ensuite, si vous voulez, la Chine va avoir des changements de régime et le bouddhisme va vraiment beaucoup péricliter par la suite. Seule l'école Chan finalement et l'école de la Terre Pure dont on parle pas souvent et qui est pourtant la plus importante et la plus ancienne. Pas la plus ancienne, mais disons que l'école de la dévotion au Bouddha Amida, Amitabha, le Bouddha Lumière Infinie, qui a promis de recueillir en fait les êtres qui ont une dévotion pour lui dans sa terre pure après leur mort, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans tout l'extrême-orient.
Et cette école, en fait, représente beaucoup plus que la moitié des bouddhistes à l'heure actuelle dans le monde entier. On a évoqué la vie monastique, Philippe Cornu. Oui. Il y a bien entendu aussi le rituel dont on n'a pas beaucoup parlé. Je précise d'ailleurs qu'on reviendra sur toutes ces zones et ces aires culturelles et géographiques tout au long de ces émissions cette semaine. Oui. Pour évoquer le rituel, justement, l'un des rituels, je vous propose d'écouter l'ethnomusicologue François Picard, qui revient donc sur le genre de la psalmodie. Et puis, en quelque sorte, au milieu de cette psalmodie, nous entendrons le texte de Bouddha sur le nirvana. C'est un genre que les Chinois distinguent eux-mêmes, avec des termes évidemment chinois, hein, mais qui est différent de la lecture. Et la psalmodie, j'emploie ce terme parce que c'est une amplification de la langue, hein, c'est un genre de déclamation mais plus poussé vers la mélodie, sans que ce soit déjà du chant. En particulier, une des caractéristiques, elle n'est pas très mise en avant. Mais en fait, on arrive à la déduire, c'est que la psalmodie, c'est essentiellement des textes, en particulier des mantras, qui sont soit en sanskrit, soit en langue mystérieuse incompréhensible. Alors que la récitation, c'est des textes qu'on peut comprendre. Bon, il faut connaître le bouddhisme chinois, mais c'est des textes qui sont traduits en chinois, qui veulent dire quelque chose. La psalmodie, ça va être plutôt des textes qui sont assez mystérieux, et c'est une incantation, ça a un côté assez magique. Il est, ô moine, un domaine où il n'y a ni terre, ni eau, ni feu, ni vent, ni domaine de l'infinité de l'espace, ni domaine de l'infinité de la conscience, ni domaine du néant, ni domaine sans perception, ni absence de perception, ni ce monde-ci, ni l'autre monde, ni soleil, ni lune. Celui-là, ô moine, je ne l'appelle ni aller ni venu, ni durée, ni décès, ni renaissance, car il est dépourvu de fondement, de progression et de support. C'est la fin de la douleur. Philippe Cornu, la dernière terre gagnée par le bouddhisme, c'est une terre que vous connaissez bien, le Tibet. Oui, le Tibet. C'est en fait le développement du Vajrayana, ou véhicule de diamant, en Inde à partir du 5e siècle jusqu'au 10e, 11e siècle, qui va ensuite être transplanté au Tibet avec le Mahayana. Qu'est-ce qui a résisté au Tibet à cette progression prodigieuse du bouddhisme, la chaîne himalayenne? Peut-être, mais simplement... Parce que c'est tardif, hein? Oui, c'est tardif. Effectivement, c'est le dernier pays, mais on peut penser aussi que quand même des influences bouddhistes ont pénétré petit à petit, avant vraiment que la diffusion soit officielle au 8e siècle. Mais cependant, c'est vraiment au 8e siècle que ça commence, et ça se fait en deux temps, au 8e, 9e, et après, à la fin du 10e, 11e. Il y a deux diffusions au Tibet. Et donc, il va y avoir éclosion d'écoles, qu'on appelle souvent des écoles tantriques, mais qui sont aussi, il faut jamais l'oublier, des écoles qui ont un socle monastique, donc qui vient du bouddhisme ancien, un socle par-dessus, disons, un établissement du Mahayana, c'est-à-dire du véhicule de la vacuité et de la compassion, et un des grands courants, le toit du Vajrayana, c'est-à-dire des tantras, par-dessus. Mais on ne peut pas poser un toit sans avoir de fondation. Donc le bouddhisme tibétain, en fait, c'est trois véhicules. C'est donc beaucoup plus que ce qu'on présente habituellement. Et puis, ce bouddhisme va ensuite diffuser dans les pays comme la Mongolie, comme certaines régions de la Sibérie, et aussi en Mandchourie par la suite. Donc, c'est la dernière grande diffusion. Oui, le Tibet, c'est une grande terre de bouddhisme, et oui. Encore aujourd'hui, bien entendu. Oui, tout à fait. Malgré les vicissitudes historiques que le Tibet connaît, le bouddhisme tibétain connaît une grande vitalité encore à l'heure actuelle. Merci Philippe Cornu. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'INALCO et que vous avez publié un gros livre bien magnifiquement illustré, La Terre du Bouddha, aux éditions du Seuil.
texte lu par Michel Derville, c'était « Les routes du bouddhisme », premier volet de cette série consacrée au monde de Bouddha que nous retrouverons demain avec Véronique Crombé. Les chemins de la connaissance, une émission préparée par Fabien Pourcher, réalisée par Anne-Pascale Desvignes, à la console Jacques Vincent. Vous êtes sur France Culture, il est midi, l'heure de retrouver le magazine de Marc Voinchet.